avons besoin que tu nous aides. Bastien, aide-nous. Je t'en prie, reviens, Bastien. C'est une histoire sans fin. Pose ça! Ce livre exigerait que tu donnes beaucoup trop de toi. Mais c'est l'histoire sans fin, je l'ai déjà lu ce livre. Ah, mais as-tu déjà lu un livre deux fois? Les livres changent chaque fois que tu les lis. Rends-le-moi. Oh, je voudrais vraiment le relire. Non, 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 non et non. Regarde ce que je t'ai trouvé. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vous l'emprunter. Non, Bastien! La machine à souvenir. Explique-lui à quoi ça sert, Triface. Oh oui, expliquez. Chaque fois que ce terrien se sert de l'orine pour faire un vœu, ma nouvelle invention lui fait perdre un de ses souvenirs. À chaque vœu, le liquide qui est dans sa tête forme une boule de souvenirs. Elle tombe et elle est récupérée dans le réservoir qui est dessous. Que se passe-t-il quand le terrien a perdu tous ses souvenirs? C'est évident. Le réservoir qui est en bas est plein. Et alors la tête du terrien est vide. Il ne se rappellera plus d'où il vient, ni à quel monde il appartient. Mais ce qui est encore mieux, il aura oublié sa mission. La raison pour laquelle il est venu à Fantasia, il aura oublié la jeune impératrice. C'est alors que je rétablirai l'ordre dans ce chaos qu'ils appellent les rêves et les histoires. Imbri, connaissez-vous un château qui a l'air d'une main? Vous parlez du château d'Oran, la main qui voit, bien sûr. Vous savez comment y aller? Il n'y a aucune route. Vous allez devoir voler. Mais un petit vœu éviterait une longue route. Un vœu? Nimbli a raison, j'ai Lorine. Je devrais m'en servir. Quand j'ai raison, j'ai raison. Je vais essayer. Ce dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui puisse voler et qui puisse terrifier tout ce qu'il y a de vivant dans ce château. Voilà qui est très sensé. Je souhaite avoir le plus horrible des dragons volants de toute l'histoire de Fantasia. Je souhaite qu'il soit rouge. Non, vert. Et je souhaite qu'il vole aussi vite que le Concorde. Qu'il sente si mauvais que ça vous rende malade. Et puis qu'il crache le feu. Et je vais l'appeler Smurg. Ne me mens pas. Tu m'avais promis de m'emmener me baigner. Tu avais promis. J'ai eu un contretemps. Je te déteste. Je te déteste. Alors voilà ce que se rappellent les humains. Bastien. Pendant que Monsieur Coriander cherchait un livre sur le courage, Bastien prit le livre de l'histoire sans fin. Monsieur Coriander, si les pages de l'histoire sans fin devenaient blanches, plus personne ne connaîtrait Falcor, Atreyu ou la jeune impératrice. Bastien était le seul à pouvoir sauver Fantasia et toutes les histoires du monde. Il devait le faire, à n'importe quel prix. La tête de Bastien se vidait à chaque vœu qu'il faisait, et il se rappelait difficilement son père qui était fou d'inquiétude depuis la disparition de son fils. Mais je suis dans ce bouquin. Atreyu était inquiet, lui aussi. Le voyage pour la Tour d'Ivoire ne conduisait nulle part. Atreyu voulut encore une fois essayer de faire entendre raison à Bastien, mais il allait en apprendre plus sur le plan de Xayid. L'obscurité s'évanouit, et elle put voir le chemin de sa demeure.
Alors la princesse retourna dans le château de son père. Et ils vécurent tous dans le bonheur le plus complet. N'aie pas peur, Bastien. Nous faisons tous partie d'une histoire sans fin. D'une histoire. C'est vrai. Même quand on meurt. Oui, Bastien. Pour toujours. De le savoir. Il me reste encore deux vœux, Falcor. Si tu utilises ces vœux, tu vas perdre les plus précieux de tes souvenirs. Ma mère et mon père. Ma mère aurait voulu que je le fasse. Je n'ai pas de vœu plus cher au monde que celui de te voir vivant, Atreyu. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Est-ce que tu me pardonnes ? Il ne te reste plus qu'un vœu. Alors utilise ce qui te reste de cervelle et fais le vœu de rentrer chez toi. C'est le monde auquel tu appartiens. Si je fais mon dernier vœu, je... Fantasia tombera dans l'oubli. Et la jeune impératrice disparaîtra pour toujours. Rentre chez toi. Et laisse-moi Fantasia. Je ne trahirai pas la jeune impératrice. Très bien. Mais si ton père ne te voit plus jamais, que va-t-il éprouver ? Mon père. Fais ton dernier vœu. Souhaite de rentrer chez toi. Oui, Xaïd. Je vais faire mon dernier vœu. Je fais le vœu que vous ayez un cœur.